Il a pris du dégât, mais pas assez, malheureusement. Alors, faut faire attention, Sodan est faible face aux attaques psy hein, actuellement. Cléacie m'envoie Sardox devant, il veut se faire massacrer. Pardon, il veut massacrer. Mais j'arrive pas, Apex. Si, tu vas y arriver. Par contre. Waouh, d'accord, il va passer par le pont. Ce qui m'arrange pas des masses, histoire de passer par le pont là. Parce que s'il y a du monde sur le pont, on va le savoir tout de suite, hein. Ah, ok, oui, l'objectif est là. Par contre, ça serait bien à pirater, mais le problème c'est qu'on est déjà pas adapté, on n'a pas l'équipe pour. Mais bon. Voilà, on va te mettre en première ligne, Sardox. Ce sera beaucoup plus simple. Faut faire des efforts de ton côté à un moment. Je mets des balles, mais pas de last shot. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu fais quand même des efforts. Menace 1-5. La transmission extraterrestre se poursuit et nous allons manquer de temps. Rejoignez ce relais et détruisez-le vite. Eh oui, on va y arriver. Rassure-toi. Calme, pépère, calme. Ok. Allez, parce que c'est toi, Sardox. Voilà, t'as fait un kill. Ah non, mais on dit pas le contraire. Mission a été coupée. Éliminer les ennemis encore présents et évacuer la zone. Bon, par contre, maintenant, faut trouver des ennemis. Je confirme. On va commencer à recharger un peu quand même. Ça va te couer. Et il ne l'a pas loupé. Oui, c'est un peu ça. Par contre, ce qui m'inquiète, moi... va prendre les points hauts, je pense. Voir si on trouve un adversaire. Venir ici, parce que sinon je vais bloquer le point de passage. Ah. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah ouais. Je crois que... Chaussette! Et l'elfe gagne un niveau pour ceux qui ont la ref. Oui, exactement. Toujours.
Par contre, ouais, là c'est pas cool, là. Plutôt que tirer dans le vide, je vais faire comme ça. Je vais vers la position. En vigilant. Oh, Sardox. Oh, 6 de dégâts, joli. Ah oui, mais ça va être moins joli, ça par contre. 4 dégâts. Ah, tu mérites le kill, Sardox, hein, tu mérites le kill. Tant pis pour le civil. Menace 1-5, statut confirmé. Tous les ennemis sont morts, la zone est sécurisée. Menace 1-5, statut confirmé. Mission accomplie. Bon, Sardox blessé, mais Sardox a tué. T'as plus de balles. Mais non, t'as pas plus de balles, arrête. 80% de tir réussi. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, couverture 28.89, on a mieux, mais voilà. Je suis désolé, il a fait un kill à la grenade. Bon, ça marche aussi, c'était stylé. Oui, alors le civil, il a rien demandé par contre. Hein. Mais il s'est pris sa grenade, le civil. Hein. Sur le terrain. C'est bon pour le moral de l'équipage. Donc ce qui est bien, c'est que Sodan n'est plus secoué, théoriquement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. 10 morts en 5 missions hein, pour Arda. Hein. Il fait 2 kills par mission à peu près. C'est joli. Allez, alors, les attaques de votre arme détruisent les armures. Oui, je pense que... Ouais, on va péter les armures. Hein. Et nous avons un nouveau tireur d'élite. En la personne de Jason Petras. Viseur laser augmente les chances de coups critiques. Et plus encore en fonction de la proximité de la cible. Ça, c'est bon, ça. Vous avez porté un coup sérieux aux extraterrestres avec votre équipage, commandant. Très impressionnant. Soldat rétabli, capitaine Sodan. Volonté rétablie et renforcée. Oh, c'est bon ça. Par contre, dans ces cas-là... Des coups critiques sur un fusil à pompe, moi je prends. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que pour l'instant, on aura des personnes qui seront pas trop blessées trop longtemps en tout cas. Même Sardox va être blessé que 3 jours. Donc un ingénieur en infirmerie, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Construire le terrain d'essai, contacter la région Est des États-Unis, ça c'est en cours. On n'est pas trop mal, hein. Quel civil, il n'y a pas de preuves, ou du moins... Oh oui, non, mais il n'y a plus de preuves là. Oui, mais les civils sont des méchants maintenant, ça dépend quand. Mais moi je lui mâche la viandarde. Alors, récompense des recrues. Non, pour l'instant on va laisser les recrues tranquilles. On va essayer d'établir notre foutu contact.
Et après, on ira voir pour récupérer le scientifique, pour faire avancer plus vite nos technologies, ça pourrait être pas mal. Enfin, on a réussi à établir le contact. Enfin! Ma moustache me donne des bonus de régène. Non mais sortez-le de là! Alors, terminer la mission, ok. Commandant, nous avons pris contact avec la résistance locale et nous pouvons investir le site secret d'Advent sur votre ordre. Nous devons préparer et équiper nos hommes pour une mission difficile. Je suppose que le site extraterrestre sera bien protégé. J'ai mis à jour nos derniers objectifs opérationnels, commandant. Nouveaux contacts régionaux trouvés. Europe de l'Ouest, ok. C'est vrai que contacter le Nouveau-Mexique, ça serait sympa. On aurait tout le Mexique, enfin tous les États-Unis. Est-ce qu'on essaye des recrues? Parce que la mission, enfin c'est intéressant, mais le problème c'est qu'on a, ils n'ont pas utilisé leur carte encore, pour l'instant. Est-ce qu'on n'irait pas chercher le scientifique? Parce que pour l'instant on a deux contacts sur trois, donc à un moment il faudra améliorer nos éléments de contact. On va y réfléchir. Par contre, oui, il va nous falloir un ingénieur, on va pas avoir le choix. Il va nous manquer des ingénieurs. Mais on a des ressources, c'est intéressant. C'est ça que je voulais regarder. Combat amélioré. Est-ce qu'on a possibilité de faire quelque chose? Non, pas vraiment. Pour l'instant, c'est juste notre soin. Mais on voit tous ceux qui sont en soin. On a Sardox ici. J'ai presque envie de laisser un jour l'ingénieur et ensuite de construire un nouveau bâtiment, voire d'enlever des débris. Aller chercher le scientifique, faut de quoi buter les aliens plus vite. C'est pas faux. On en parle des États-Unis qui englobent le Canada selon la carte, ouais, c'est pas faux. Ouais. Bah, c'est les nouveaux États-Unis, ouest des États-Unis, est des États-Unis, Nouveau-Mexique, etc. Nouveau-Mexique, on a tout le nord du Mexique, hein, donc c'est vrai que ce sont nos nouvelles régions. Bon, on va aller au QG. Sur la circonscription de l'ouest des États-Unis. Voyons voir les marchandises disponibles. Bonus de scan, guérison rapide. Alors, qu'est-ce que ça permet? Tant que le talion restera dans cette région, le QG de résistance nous fournira du personnel, d'accord, pour accélérer la guérison des soldats. Ou un bonus de scan, construction rapide. Ah. On pourrait recruter un tireur d'élite. Ou un scientifique. Bon, déjà, le scientifique, c'est sûr, on recrute. Ouais, mais faut rester dans la région. On veut pas rester dans la région, en fait. Est-ce qu'on a mieux? On sait qu'il y a un projet Avatar qui est ici, qui est au niveau 3. Si on fait péter ça, on sera mieux, hein. Je pense qu'on va prendre la signature thermique. Advent était en fait un plan de la CIA pour augmenter le territoire ricain, c'est possible. On va partir sur la signature thermique. Et on verra pour le prochain contact si on va en Europe ou si on va au Mexique. Jamais pu imaginer un résultat pareil,
mais c'est très intrigant. L'évolution physique très rapide du sectoïde au cours des 20 dernières années montre à quel point les extraterrestres maîtrisent l'ingénierie génétique et sont prêts à prendre tous les risques pour progresser. Ok. Autopsie préliminaire effectuée par le docteur Richard Tigan, officier scientifique par intérim. Bien que mon expérience en chirurgie soit limitée, les manipulations génétiques effectuées par les extraterrestres sur l'espèce baptisée sectoïde ont certains points communs avec l'anatomie humaine. Si les premiers documents sur les sectoïdes rencontrés sur Terre font état de créatures ne dépassant pas 1 mètre de haut, les spécimens que nous voyons aujourd'hui font presque deux fois cette taille. Sachant pertinemment que les extraterrestres poursuivent leurs efforts pour mêler l'ADN humain au leur, mes découvertes confirment bien un processus de développement continu. Ce sectoïde plus grand possède encore plus de matériel génétique humain, combiné sélectivement, afin d'améliorer les capacités physiques limitées des premiers modèles. En le dotant de pouvoirs psioniques améliorés et d'une force plus grande, je dirais qu'ils ont réussi. Donc on pourrait obtenir le bouclier mental et obtenir des aptitudes psioniques. Ouais. Ouais, le cadavre de l'ancien, on va voir. Les lanciers d'Advent semblent avoir été équipés dans le but d'assurer le maintien de la paix dans le centre des villes. Bien qu'ils soient dotés d'armes ne provoquant que des blessures non mortelles, nos récents rapports indiquent que ces unités deviennent de plus en plus agressives. Ouais, la preuve, hein, il a les doigts crochus et tout et tout. Bon. Bien que je sois toujours resté très réaliste quant aux ressources et aux installations limitées dont je dispose sur le Talion, je dois dire qu'il a tout de même fallu m'y habituer. Ouais. Même avec le champ d'atténuation du vaisseau, les turbulences fréquentes... Liste des ingénieurs, mon centre de combat amélioré. Je vais devoir adapter mes techniques de recherche. Fabrication d'objets, qu'est-ce qu'on a ? En armure, on a toujours le gilet nanométrique. Faudrait qu'on mette des détecteurs aux snipers, si on peut avoir nos snipers, ça serait pas mal. Je me demande si c'était comme ça aussi autrefois. Toujours sur la brèche, prêt à partir au combat à chaque instant. Ça nous force à rester vigilants. Bon, on a deux personnes secouées. Une personne encore avec des blessures légères et une avec des blessures. Glorfin et Sardox. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir notre ingénieur de là. Et qu'on va fabriquer une installation, l'Institut de Guérilla. Commandant, notre système d'alimentation actuel a atteint ses limites. Ouais, je sais, on peut pas faire mieux. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas construire plus d'installations. Oui, mais on détruira ça et on fera ce qu'il faut ensuite. T'en fais pas, ingénieur en chef chaîne, on se démerdera, bien évidemment. Toujours pas d'alliage, toujours pas d'Elyrium, 115 de renseignements, pas de ressources, on est à poil, tout va bien. Rebonsoir Alyosha. Docteur, je peux avoir une entrecôte d'alien, s'il vous plaît. C'est pas faux. Bonsoir à toi Kiki. Allez, on va continuer nos recherches. Le résultat de ces recherches ne peut que nous faire progresser davantage, commandant. Je suis apte pour le combat, chef. Alors, comptez clairement sur ces unités pour s'occuper des citoyens récalcitrants dans les centres urbains. Ils en sont venus à des méthodes plus brutales pour maintenir la paix depuis le temps. Ouais, ce sont des choses qui arrivent. Alors, nouvel objet disponible, la lame électrique qui pourra nous être utile. On verra ça, à quoi ça nous sert. D'un point de vue physique et génétique, les lanciers d'Advent sont presque identiques aux soldats que nous affrontons régulièrement. Toutefois, une notification mineure mais cruciale dans la densité de leurs fibres musculaires les rend plus agiles et plus résistants. Équipés d'armes non létales pouvant neutraliser les cibles humaines, ces lanciers sont apparus peu après la création des centres urbains par Advent, lorsque les émeutes civiles étaient plus fréquentes que les actions de résistance. L'étude de leurs utilisations et de leur déploiement soulève une question intéressante. Si les lanciers faisaient partie des premières troupes déployées par Advent, et qu'ils peuvent survivre plus longtemps que les soldats, les extraterrestres ont-ils volontairement limité la force de leurs soldats après avoir évalué nos compétences en matière de combat ? Cela impliquerait un système de transformation génétique ultra rapide, ce dont je ne pensais pas les extraterrestres capables.
Cela prouverait également qu'ils font preuve d'une certaine sobriété génétique, chose qui me semblait impensable, connaissant les expériences étranges auxquelles ils se livraient. Ok. Et donc, on aurait la lame électrique. Ok, on pourrait étourdir les ennemis qui ne sont pas tués immédiatement. Pourquoi pas. Et on pourrait partir donc sur la radio de la résistance. En reproduisant les équipements de communication que nous avons développés sur le Talion, nous devrions pouvoir établir des relais terrestres afin d'étendre notre portée. Une couverture plus large nous permettra de communiquer plus facilement avec les régions extérieures les plus éloignées du QG. Cette technologie devrait nous donner accès à de nombreuses applications extrêmement utiles. Ouais, ça pourrait être pas mal. Un rapport dès que nos recherches seront terminées. Toujours au cac, Falseag, je suivrai les ordres, dit-il en pleurant. Bon soldat. Falseag, t'inquiète pas, je suis pour recoudre les morceaux, oui. Toi, t'es censé être le hacker. Et Falseag, le healer. C'est pas faux, ouais. Vous êtes censé travailler comme ça, en effet. Allez, cette signature thermique, on y arrive ou bien ? Commandant, on nous informe que la résistance a attaqué une voie de ravitaillement d'Advent. Nous pouvons récupérer des matériaux précieux, à condition d'éliminer les extraterrestres qui gardent le site. Bah allons-y, de toute façon. Raid de ravitaillement. Allez. On finira ça ensuite. Hein. De toute façon, on n'est plus à ça près. Hein. Depuis le temps qu'on fait des allers-retours, tout va bien. Bon, alors, on verra ce qui restera de chacun. C'est pas faux. Là, pour le coup, c'est pas faux. Par contre... Non, tu vas me prendre un détecteur. Donc on aura le deuxième classe Petra. Est-ce qu'on n'a pas un autre sniper? Ah, quoique si, on va mettre Petra pour l'instant. On a d'autres snipers, notamment Lod. Mais Lod, on l'équipera pour une autre mission. D'ailleurs, hein, si quelqu'un veut être sniper, Petra n'a toujours pas de nom. Ça n'est pas un viewer, donc celui qui veut être sniper a le droit de se proposer, bien sûr. Bon, Falseag est pour l'instant secoué, donc il faudra faire attention. En attendant, on lance la mission. Donc bien sûr, hein, parmi ceux qui sont arrivés récemment, hein, si vous voulez faire partie de l'unité d'intervention d'XCOM, n'hésitez pas. Nous avons capté le message d'un transport de troupes d'Advent neutralisé par la résistance et bloqué dans ce secteur. Les extraterrestres n'ont pas pu le remettre en route. Nous allons donc essayer de nous emparer de tout ce que nous pouvons. Ils ne seront pas ravis de nous voir. Éliminer toute résistance. Moi je voudrais bien être sniper si tu veux bien classique. Pas de soucis Kiki, on te nommera après la fin de la mission. Alors. Le transport de troupes d'Advent est tout prêt. Engager et éliminer toutes les forces hostiles. Alors, où est-il? Bon, c'est pas trop pour l'instant, donc ok, nous voyons personne. On ne sait pas s'ils vont venir de là ou de là. On a une zone de tir là qui pourrait être intéressante. Il faudrait presque monter là-dessus avec le sniper. On va s'approcher, hein. Mais par où il passe? Oh mon dieu. Ok, là on se fait découvrir, donc on doit avoir une certaine vision par là-bas.
Est-ce que tu peux monter sur le toit? Ouais, là j'aimerais bien être là, mais ah ouais, d'accord. Et là on se fait découvrir. Donc on a, ils doivent être par là. Moving to position. Ok. Sans l'implantation de branches d'ADN humain, ces créatures que nous appelions allumettes nous montrent aujourd'hui leur vrai visage. Une espèce purement reptilienne. Alors, je vous présente les allumettes, hein, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'ils se cacheraient? Pour ceux qui n'apprécient pas les reptiles, vous êtes fixés. Le problème étant, c'est que j'ai pas de point de snipe comme j'aimerais avoir. Roger that. Overwatch. J'aimerais bien aller les défoncer, mais je préfère presque qu'ils bougent. Pour m'assurer, en fait, je veux voir un peu les alentours avant de faire quoi que ce soit qui ne m'aide pas. Parce qu'on sait pas combien il y a d'unités pour l'instant. Lui, il est bien protégé là, hein. Je serais presque d'avis de les éliminer. Scanning. Eyes on the prize. Ok, je me dirige vers la cible. On va essayer de trouver quelque chose. Pour l'instant, ils sont loin de leurs collègues, donc des cibles comme ça seraient presque simples à abattre. On est repéré. Ok, tir raté. Touché. Ah, il court vite, hein. De Dieu, mais elle court loin. Faut arrêter de rigoler là maintenant. La fuite est perdue, c'est un peu ça. Ouais. Ah, tourelle.
tourelle, tourelle, tourelle. Fait chier la tourelle là. Est-ce qu'elle se met en vigilance ou pas? Elle est pas en vigilance. Je bouge. Encore 9%. Joli tir. 600 dégâts critiques. Je m'en suis occupé. Très très beau tir. Très très beau tir. Oula, barre-toi. 4 tirs. Ah, il y a un advent ici, ouais, bah en effet, ouais. Ah, le sniper. Non, non, tu te planqueras pas. Le sniper, un kill. Ok. Sniper. Tir suivant. 55, 65. Ça touche. Le problème, c'est que je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Et on sait qu'il y a un copain pas très amical dans le coin. Lui il me gênait, je pouvais pas l'avoir comme je voulais. C'est tué. Ouais, 4-6 en 4 touches, ça a fait 6. Donc 4 plus 2 d'armure, ça fait 6. C'était juste ce qu'il fallait. Par contre... Je sais pas où est le serpent. Oh mon dieu. Ah d'accord, bah il est là. Bah au moins on sait où ils sont quoi. Enfin il y a... Il y a pas de mystère là-dessus. La grenade. Ah merde, pas fait assez de dégâts la grenade. Fait chier d'avoir été découvert comme ça. Ah merde. Ah oui merde. Étourdi, salaud. Ah d'accord. Ah oui d'accord, ça touche tout chez eux. Les flammes gagnent du terrain. Bon, sniper.
Lunettes, tablette de données Advent, ça marche. Merci pour les ressources. Surveillez ces caisses. Si vous les détruisez, il ne nous restera plus rien à récupérer une fois la zone sécurisée. Ah merde, il y avait des caisses. It's still moving. On n'avait pas touché les caisses, si? Raté, c'était pas mal. Allez, on lui met des soins pour éviter qu'elle ne meure. Oui, on est marqué, ouais, on sait, ouais. Mais t'as raté. Ah, t'es à poil maintenant, hein. Dis, ça te dit de te prendre des balles? Non, mais sérieusement? Le wallah qui passe pas, ouais, c'est un peu ça. Pas tué. Ah ouais, mais elle va mourir. D'accord, ok, ouais. Ah, je suis désolé, je peux pas laisser faire ça. If you say so. What? Et lui, il tire pas? C'est quand même pratique le retour dans le temps. Et vigilance, ok. Pourquoi on peut pas avoir le serpent?
Non, mais jamais de la vie! T'as jamais le droit de rater ça! Ah, focus, c'est surtout achète-toi des yeux, quoi. Oh, mais c'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. Pas lever assez haut l'arme, mais c'est carrément se louper. Attendez, on est à... Enfin, je veux bien, on serait à 30 ou 40%, mais on est à plus que ça, faut arrêter. Mais non! Menace 1-5, statut confirmé. Tous les ennemis sont morts, la zone est sécurisée. Bon. Menace 1-5, statut confirmé, mission accomplie. Ouais. Bon. Bonsoir à toi, Ludo. Ben, je vais bien, et toi? Bon, la mission était catastrophique, faut quand même bien le noter. Heureusement qu'on peut recharger. Ah, et blessure grave pour Sodan, bah ouais. Forcément. Attaque furtive, tout en étant camouflé, bonus de visée plus 25 et bonus de coup critique plus 25 en attaquant l'ennemi. Ou alors marche furtive, ce soldat ne déclenche pas les tirs en mode vigilance ou les tirs réflexes. Ça serait pas mal la marche furtive. L'attaque furtive permettrait de rester camouflé, par exemple, mais faudrait quand même faire une game en Iron Man un coup. Ouais, bah là, y a plus personne qui vient. Hein. Une game de 10 minutes. Ouais, bah ouais. Lunettes, la visée augmente de 5%. Ouais. Décrypter tablette Advent. Nos troupes sont parvenues à récupérer des informations qui contiennent de précieuses... Des tablettes qui contiennent, pardon, de précieuses informations. Nous pouvons récupérer ces renseignements, mais ça va prendre du temps. Oui. Autopsie de vipère, oui. Analyse tourelle d'Advent. Soldat rétabli, Falsehag. Parfait. Par contre, qu'est-ce qu'on a? Oui, production d'énergie maximum, ça on le sait. 5% de zéro, ça fonctionne, je sais pas.
viennent sur le tas. On avait plusieurs snipers, hein, tireurs d'élite. Ouais, mais enfin. Voilà. On va lui mettre une lunette, mais bon, c'est Glorfin, hein, donc bon, on sait pertinemment que ça va être compliqué. Ah si, on avait dit que notre sniper Petras, ouais, c'est lui qu'on avait, hein. On devait le surnommer Kiki. Kiki. Perte de micro, non, mais j'ai juste coupé mon son pendant que je mettais le pseudo de Kiki. C'est pas très grave. Donc, il nous reste une personne à renommer, hein, au besoin. On a... tac, tac, tac. Amilo, Kiki, est-ce qu'on a bien tout? Bah non, on a tout le monde de renommée pour l'instant. Non, c'est tout bon. On a encore deux personnes qui doivent prendre de grade avant de pouvoir être nommées. Et ça devrait le faire. Marché noir. Pour l'instant, on va ignorer le marché noir, même si ça pourrait être intéressant. Ouais. Pour l'instant, on va essayer de finir la signature thermique. On l'a toujours pas fini, ça serait bien. Après, on pourra faire les ressources, etc. On ira peut-être voir au marché noir si on récupère suffisamment de ressources. Nos capteurs ont détecté une intense signature thermique provenant d'un entrepôt abandonné. Chaîne a pu l'identifier à distance comme étant une source d'énergie extraterrestre en surcharge. Nous l'avons récupéré et utilisé pour améliorer nos systèmes de communication. Contact avec la résistance plus 1. Donc on peut aller jusqu'à 4 de contact. Ok. Est-ce qu'on essaye... ah bah tiens, ouais, c'est ça qu'il faut faire. Site secret d'Advent. 125 de ressources. Non, cap, c'est caporal. Ah oui, le marché noir se paye en renseignements, c'est vrai. Mais on n'a pas beaucoup de renseignements non plus, donc... Falseag, Sardox, Lod... Mettre deux snipers, je suis moins fan, hein. On n'aurait pas un ranger? Si, moi-même. Ouais. Bah, haut turbin tout le monde, hein. Embarque-moi. Amilo, je crois que t'as... Ah, ici, t'as quelqu'un, ouais. À nos radars, et nous ne savons pas ce qui nous attend là-bas. Soyez prudents, ils ne se laisseront pas faire. Bon. Récupérer tout objet ou information utile, évacuer tous les soldats d'XCOM. Oui, bon, on va éviter de laisser des soldats là-bas, hein. Ma moustache a soif de sang. Sardox. Sardox 2019.
Sniff, je peux pas massacrer. À la prochaine. Il va y en avoir des missions. Cléassi vient voir la guerre au front pour diriger sa nouvelle recrue Kiki. Ouais, c'est un peu ça, ouais. A5, vous êtes dans les environs immédiats du site secret. Infiltrez-le et explorez les lieux. L'ennemi sera sur les dents. Neutralisez tous les contacts hostiles. Ok. Est-ce qu'on est en infiltration ou on est infiltré pour l'instant? Qu'est-ce que c'est que ça? On va passer par le toit, je pense, dans un premier temps, si on peut hacker quoi que ce soit. Normalement, on doit pouvoir hacker les trucs là, mais je suis pas sûr. Les radars, il me semble qu'on peut, mais je suis pas sûr. Pour l'instant, on sait pas où sont nos adversaires, mais ça ne saurait tarder, j'ai l'impression. Alors, ah, il y a du bruit. On a du bruit par là. Donc si on vient là, on sera découvert. Cette sécurité du site urbain. Mes poils m'indiquent le... Ouais, il y a la présence de cible quelque part. Au moins là-dessous, il y a quelque chose là-dedans. Hein. Je sens qu'on va tout déclencher quelque part. Ça me plaît moyen cette histoire. Ouh oui. Pour y avoir du monde, il y a du monde. All copy.
Attendez, ce sont des... Des cadavres. Les conteneurs, les trains et toute cette base. Les extraterrestres enlèvent toujours des gens. Et on dirait bien qu'ils n'ont jamais arrêté depuis l'invasion. Ces conteneurs semblent être équipés de batteries autonomes. Il pourrait s'agir d'un système de stase. Il est possible que certains de ces gens soient encore en vie. Ouais. Ouais. Je descendrai bien, mais j'ai peur de me faire repérer de là en bas, donc on va regarder comment il se déplace pour faire un maximum de kills en très peu de temps. Parce que ça va être utile. Ok, on a eux deux là. Mais là ça m'arrange pas comment ils sont hein, donc et je sais pas ce qu'il y a là-dedans, donc ça m'embête un peu. On peut avoir une vision là-dedans. Advent a étendu son réseau ferroviaire pour desservir chaque centre urbain. Et ça ressemble à un terminus, du moins pour cette région. C'est cool. Si je rentre là-dedans, je suis découvert parce que j'ai brisé une vitre ici. On va avoir encore un mouvement et derrière... Enfin, soit on essaye de les éliminer par un tir comme ça, mais j'ai pas envie de casser ça. Et j'aimerais bien attaquer avec Cléasim pour y aller directement avec la lacération. Pour m'assurer un kill tout de suite. Bonsoir Tibbs. Ça meurt ou ça meurt pas, ça fait les deux. Pas encore Tibbs. Pas encore. Ok, donc eux ne bougent pas. Je pense qu'on va y aller On va y aller au lance-grenade. On va se faire repérer, tant pis. Mais il fallait ça. Ah, je me disais que ça les inquiétait pas plus, commence à m'inquiéter. Toi t'es mort. Et toi t'es mort. Deux soucis en moins. Ok. On sait qu'il y a du monde là-bas hein. Et ils sont au courant qu'on est dans le coin. Il faut qu'on aille là-bas dedans. Mais il y a du monde là-bas et ça m'inquiète. Ok, des tourelles. Et deux pour le prix d'une. Une tourelle en moins.
Pour l'instant, je bouge pas parce que ça me permet d'avoir la vision. Ok, 2 dégâts, une armure en moins. On recule. L'idée, c'est pas de prendre des dégâts. Vous voyez que je vous couvre bien, c'est vrai. Pas encore. Puis on a été touché, dommage. 4 dégâts n'étaient pas vraiment ce qu'on souhaitait faire. Je vais y tirer raté. Ok, Sardox a bien raté aussi. Commande focus, t'es drôle toi. Merde. Merde, 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 merde. Ouais. Là, c'est pas une bonne nouvelle, ça.